13h, je commence à avoir faim. Eh oui, moi aussi. Regarde, ai-je bien vu? On n'est pourtant pas en Belgique. Regarde, frites, c'est marqué sur le panneau. Allez, on s'arrête. Une saucisse, une frite, et puis une canette de bière, ça y est, pour un midi c'est pas mal, hein. ça prend pas de temps surtout. Tu perds moins de temps. Et pourquoi pas le restaurant? Déjà le restaurant ça coûte quand même relativement plus cher. Et puis au restaurant, on perd quand même, on passe une heure et demie au restaurant, qu'une frite on en a pour un quart d'heure. Oh, j'espère qu'il n'y a pas ça tout le monde. Il y en a beaucoup trop de marchands de frites. Ça tient à quoi ça? C'est un besoin maintenant? Non, c'est pas que c'est un besoin, c'est que c'est un boulot qui est assez tranquille. Enfin, on est indépendant et c'est ce que je recherche. Mais on fait que ça dans la vie? Enfin, si on veut faire que ça, on peut le faire. Hein. Sinon, c'est assez difficile, surtout l'hiver. L'été, ça va, pas de problème, là, l'hiver, difficile. Les gens qui viennent vous voir, plus souvent, sont des vacanciers, des touristes? Ah, ici, sur ce parking, ici, oui. Mais en général, dans l'année, dans l'année. Bah sinon, moi j'ai une autre place que ça. Je travaille beaucoup avec le rentier. Alors énormément, c'est ma clientèle. Par jour, et que pommes de terre, vous en faites beaucoup? Une quinzaine, 15-20 quoi. Ces frites sont bonnes? Très bonnes, c'est pas des frites réchauffées, ce qui est le meilleur. Vous êtes arrêté là à l'avance? Vous êtes pressé? Oui, parce que je suis pressé. Et à vrai dire, ça bouge un petit trou. Pour faire la route. Quoi. Pour vous, c'est une facilité également? C'est une question de facilité, mais une question, oui, question aussi... d'économie. Même pas, non, c'est une question de rapidité. Bon appétit. Hein. Merci, monsieur.